Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Magnum Quest. Aujourd'hui, suite à de nombreuses demandes, je vais vous proposer un guide sur le choix de vos runes par rapport aux champions que vous avez en magasin. C'est un choix extrêmement important puisqu'il va vous permettre ensuite aussi de déterminer, et c'est ce qu'on verra dans un guide futur, quelle est la carte d'étoile idéale à choisir pour chacun de vos champions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille découvrir ça ensemble. C'est parti. Donc, les runes, c'est quelque chose que vous débloquez assez rapidement finalement dans le jeu. Peut-être pas dans les tout premiers jours du jeu, mais ça arrive assez rapidement. Et c'est un élément qui va faire vraiment énormément améliorer vos champions. On va aller justement voir ça ensemble. Donc, vous les retrouvez, comme vous l'avez vu lorsqu'on va dans le sac, pierre unique pour l'accès le plus rapide. Lorsque vous arrivez sur cette carte, vous avez donc la liste de toutes vos, de toutes vos runes. Et également des potions. Donc je vous l'avais présenté dans les différents guides précédents. Là, vous avez les potions souffle du mortel qui vont vous servir pour les runes de type bronze, comme celle-ci par exemple. Vous avez les runes de type esprit, souffle de l'esprit qui vont servir pour toutes les runes argent. Et vous avez les plus importantes, les souffles divins qui vont vous permettre d'améliorer vos runes de type or. Donc, trois types de runes. Évidemment, chacune va avoir ses avantages, mais plus vous allez monter vers l'or. Plus les runes seront intéressantes. Pour faire un petit détail sur les runes de type argent, vous le voyez, vous pouvez obtenir trois statistiques au maximum et une amélioration. D'accord Si vous tombez sur l'argent, c'est quatre statistiques et deux améliorations. Et enfin, sur l'or, vous avez jusqu'à cinq statistiques et trois améliorations au total. Donc, on va aller voir justement quel type de runes pour chaque champion choisir. Et on va commencer par. Le premier type de rune, puisque une fois que vous avez donc les classifications de runes, vous avez des types de runes. Vous avez des runes de type attaque, comme celle-ci, qui vont vous permettre en amélioration d'augmenter l'attaque de 1% toutes les 3 secondes pendant toute la durée de la bataille en level 1, augmenter les dégâts critiques en plus de 1 point toutes les 3 secondes, et le level 3, augmenter de 1,5% l'attaque et de 2 points les dégâts critiques tous les 3 secondes. Donc ça va améliorer les deux premières statistiques de base. Si on regarde les runes de type énergie, revitalisant, euh, vous allez gagner donc des points d'énergie de 10, 15 ou 20 points en fonction de l'amélioration que vous aurez de votre rune, sachant que pour avoir oh ouais. les 20 points, il faudra de toute façon l'améliorer au dernier niveau. Et enfin les dernières, les effusions gracieuses. Euh, alors je ne sais pas si j'en ai une or pour voir si... Oui, ici c'est le même nom, donc ça ne change rien. Donc là, vous avez augmentation de la défense. Et restauration d'un pour des PV max toutes les 3 secondes pendant la bataille. Augmentation du bonus défense au level 2. Et taux de guérison qui passe à 2% des PV max pendant toute la bataille. Alors, en toute transparence, les fusions gracieuses est peut-être, probablement, même certainement, la rune, le type de rune le moins intéressant aujourd'hui dans Magnum Quest. Ne les balancez pas pour autant, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas dans le futur. Aujourd'hui, les deux principales restent attaque et revitalisant. Et justement, on va les voir. Alors, attaque, ce que j'appelle attaque, c'est accumulation et revitalisant. On va les découvrir ça ensemble tout de suite. On va commencer par l'attaque. Alors, l'attaque, c'est vraiment à orienter pour des champions, puisque comme vous l'avez constaté, on va augmenter l'attaque en pourcentage et les dégâts critiques. Ça va vraiment être orienté plutôt chez des champions qui sont là pour faire de très très gros dégâts. Donc là, par exemple, on n'a pas énormément finalement. Je vais plutôt vous recommander euh, des champions justement comme Feng euh, et Ares par exemple. Et puis, vous avez aussi d'autres champions. Alors là, par exemple, il faut que je le change sur euh, Ekra, parce que je, je pense pas que ce soit la, la meilleure option. Mais on peut imaginer, est-ce que je l'ai ici euh, Voilà. Par exemple, sur notre petite bestiole, j'ai plus son nom. En tête, mais voilà, là ça peut aider. Pareil, si on imagine Gaïa, si on, on a mis on imagine également euh, le champion barbare, pareil, j'oublie son nom aussi qui est euh, de type agilité. Voilà, sur ces champions là, pourquoi pas vraiment orienter ça sur des champions plutôt corps à corps qui font de très gros dégâts. C'est là où vous allez tirer le plein pouvoir de ces runes de type accumulation. On va le voir pour tout le reste, ça sera un peu différent. Ensuite, quelle statistique allez chercher? Puisque vous allez le constater sur ces runes, vous avez par exemple là une rune accumulation qui me fait prendre 5% de dégâts en moins, qui a résilience et la résistance aux coups critiques, 24%, et qui a 10 points d'esquive, donc qui permet d'esquiver les coûts normaux. Donc l'esquive c'est les coûts normaux et la résilience c'est les coûts critiques. Euh, si on va par exemple sur celui-là, bah, j'ai 30% de dégâts critiques, 24% de résistance au critique et 5% de dégâts au moins. Donc on voit que les statistiques ne sont pas les mêmes. Vous aurez les mêmes améliorations en augmentant les niveaux ici, mais vous n'aurez pas les mêmes statistiques sur chaque rune. Donc quel type effectivement de statistiques sélectionner Donc si on regarde par exemple Feng, ce, ce pourquoi je suis parti sur ce champion, c'est vraiment pour les accumulations, aller chercher critique, dégâts critiques et pourquoi pas un peu de dégâts d'esquive, mais c'est avant tout critique dégâts critiques. Plus vous allez avoir une bonne rune en critique, plus vous allez pouvoir aussi adapter votre carte d'étoile et aussi euh, justement bah, le set éventuellement que vous mettriez sur votre champion. Ça c'est pareil, tout ce qui est artefact on en parlera dans un second temps. Si on regarde par exemple pour Arès il a résistance coup critique, il a dégâts magiques en moins. Dégâts critiques, critiques et skill. Donc là, ce qui m'intéresse surtout chez Ares, c'est les trois premiers et résilience aussi. Euh, ce qui permet que Ares ne se retrouve pas trop vite à 1% d'HP ou là, à ce moment-là, il a sa compétence passive qui l'empêche de mourir puisque quand il l'a fait une fois, il ne peut plus le faire derrière. Donc ça évite qu'il prenne des coups critiques trop rapidement, que ça lui fasse trop de dégâts. Donc c'est pas de trop. Euh, voilà. Ecras par exemple, vous voyez, c'est pas hyper optimisé là parce qu'on a un critique, moins dégâts magiques et moins dégâts. C'est pas trop ce qu'on va chercher pour une rune de type attaque. Euh, là, on a de la résistance coup critique, on sait pas trop ce que ça peut donner. Là, du dégât physique en moins, du toucher en vain. Bon, voilà. Là, du toucher, c'est pareil, pas de grand grand intérêt puisqu'on va surtout chercher à faire des coups critiques. Donc, le toucher a moins d'importance que euh, justement les, les critiques et dégâts critiques. Donc, vraiment pour les runes de type accumulation. Allez chercher du critique et du dégât critique. Vous voyez par exemple celle-ci pour une rune argent est top parce qu'elle me fait 2 fois 15% de critique, donc 30%. 30% de dégâts critiques et 5% de dégâts accumulés en plus. Donc elle est juste parfaite celle-ci. Et comme vous le constatez par contre par rapport à une rune or, euh, les statistiques sont aussi supérieures par rapport à une rune argent. Et la rune argent a des statistiques supérieures à une rune bronze. Donc si vous êtes en tout début de jeu. Ce que je vous recommanderais c'est de ne pas hésiter à miser sur, vous voyez ça par exemple c'est complètement à mettre à la poubelle, d'ailleurs on va la décomposer et quand vous décomposez vous récupérez en fonction du type de rune que c'est, si c'est effectivement bronze, argent ou or des potions, donc là j'ai récupéré 5 potions souffle du mortel, donc là au début misez évidemment sur ces runes là, ça n'aura pas d'impact sur les runes de type argent et or que vous aurez par la suite, donc, il faut commencer quelque part, miser dessus. Là, pareil, celle-ci, elle n'est pas folle. Euh, là, on a un peu de dégâts critiques. Voilà, celle-là est très bien, franchement, pour une bronze, 8% de dégâts critiques. 2 fois 16% de dégâts critiques, c'est euh, très bien. Et ça, voilà, typiquement, aucun intérêt pour notre champion de type attaque. Donc, pas énormément de type attaque euh, d'accumulation à qui on peut le mettre. Ares, sans aucun doute. Feng, sans aucun doute. Gaïa, sans aucun doute. Vous pouvez aussi le mettre sur d'autres champions de type attaque qu'on a vu, donc euh, le, le, la petite bestiole et l'autre petite bestiole sauvage euh, que vous avez ici. Donc les champions de type agilité qui font des gros dégâts, parce que de type force finalement, à part Ares, on n'a quand même pas beaucoup de champions qui font de très gros dégâts. Donc ça va plutôt s'orienter sur des champions euh, de type agilité. Si on parle maintenant cette fois-ci du deuxième type de Rune qui est pour moi la plus importante et la plus intéressante sur l'ensemble de vos champions parce que c'est celle où vous en avez le plus besoin, c'est la corne revitalisant. Alors, la corne revitalisant, là les statistiques, vous pouvez être un peu moins vigilant dessus puisque finalement ça va servir à tout un tas de champions. Ce qui va surtout nous intéresser là-dessus c'est le gain d'énergie par seconde. 20 points par seconde c'est énorme et ça fait des très grosses différences lorsque vous voulez progresser en bataille, sur une bataille d'arène, en donjon, sur les boss, bref, partout. Et ça c'est hyper important. Donc... On va regarder justement euh, les statistiques. Là, si je prends le cas d'une Derla, j'aurais pu potentiellement la mettre en attaque pour qu'elle gagne des points d'attaque et de dégâts critiques. Mais Derla, je sais que c'est une championne qui commence à devenir exceptionnelle quand elle a fait la première fois sa compétence ultime. Puisque là, elle va causer des dégâts énormes, elle va se soigner. Et tant qu'elle ne l'a pas fait, elle est fragile. Donc, si je lui mets une rune de type accumulation... Et qu'elle n'arrive pas à faire sa compétence ultime, derrière, elle ne me sert plus à rien. Là, en maximisant son énergie, je mets toutes les chances de mon côté pour qu'elle puisse faire sa compétence ultime. Tant pis, elle fera un chouïa moins de dégâts, mais par contre, l'autre intérêt, c'est que une fois qu'elle l'aura lancée, j'aurai énormément euh, pris l'ascendant sur la team adverse. Donc là, vu que c'est quand même un champion qui fait des dégâts, c'est une corne de revitalisant que j'ai plutôt optimisée sur du critique, au moyen 40%, 40% de dégâts critiques. 32% de résistance au coup critique et moins 10% de dégâts physiques si par exemple je me retrouvais face euh, à une Carlotta en face qui focusait ma Derla. Donc là, je pense que je peux difficilement faire mieux pour ma Derla, peut-être une statistique améliorable. On va parler aussi d'Arthur. Arthur, pareil, c'est un champion qui finalement est hyper utile pour poser son bouclier, mais pour poser son bouclier, faut il faut qu'il lance sa compétence ultime. Donc là, pareil, j'ai besoin qu'il gagne un maximum d'énergie en un minimum de temps. Et lui à l'inverse, il fait très peu de dégâts. Donc ce que je vais surtout chercher chez lui, bon, vous voyez le dégât critique, le dernier proc est pas fou, mais sinon moins dégâts magiques, moins dégâts pourcentage, moins dégâts magiques et résistance au coup critique. Donc là, il va pouvoir. Limiter les dégâts qu'il va encaisser, et donc, du coup, justement, pouvoir faire son bouclier à temps avant de mourir. Euh, donc là, même si on est sur des statistiques complètement différentes par rapport à Derla, les deux sont très bien. Ça sera moins le cas pour des runes de type attaque, comme on a vu, accumulation avant, mais pour des runes revitalisant, là, les statistiques peuvent être beaucoup plus diverses et variées. Si on prend notre ami Sure, donc Sure est une championne qui fait beaucoup de dégâts. Donc vous voyez, là, j'ai énormément de dégâts crit sur elle, du dégât pourcentage et un peu moins de dégâts physiques. Euh, bon améliorable mais énormément de dégâts critiques c'est à dire que quand je vais monter sa carte or et je vous montrerai ça plus tard dans un autre guide je vais forcément plus optimiser les critiques pour m'approcher des 100% que d'aller chercher des dégâts critiques où je vais déjà vachement optimiser avec ma première rune si on parle de notre ami euh, Katos c'est un peu le même système Katos si vous voulez c'est un champion qui va être beaucoup dans la réception des dégâts mais qui peut faire un peu de dégâts. Donc on est sur un mélange de crit, de résilience et moins de dégâts magie. Si on prend phare, pareil, phare fait un peu de dégâts. Mais ce qu'on va demander, c'est surtout qu'il contrôle rapidement. Donc là, moins de dégâts physiques, moins de dégâts magie. Et de la résistance au coup critique. Et un petit peu de toucher. Bon, le toucher, c'est pas forcément ce que je cherchais. Mais ça, ce que je veux, c'est surtout qu'il encaisse des dégâts. Euh, mon ami, effectivement, phare. Et qu'il gagne un maximum d'énergie le plus vite possible. Vous avez donc aussi euh, sur les runes de type revitalisant. Euh, bah là, vous voyez, j'ai mis Osiché aussi Osiché très intéressant dans cette composition, parce que c'est un héros de type agilité qui ne fait pas particulièrement de dégâts, mais qui a énormément de contrôle, surtout avec sa compétence ultime, d'où l'importance effectivement de la mettre en gain d'énergie. On a également notre ami Harry, le tout récent champion, qui pareil, donc va être très intéressant dans cette composition pour pouvoir buffer ses petits copains, avec beaucoup de résistance aux coups critiques. Là, pour Osiché c'est surtout de l'esquive et de la résistance aux coups critiques. On a aussi notre amie Naomi. Donc, il y en a besoin rapidement. Vous le savez, Naomi, c'est par excellence lanti ares Pour ça, donc, il faut qu'elle puisse faire sa compétence ultime au plus vite. Et vous le voyez, les euh, cornes de revitalisant or sont dans les rares. Et c'est pour ça que, justement, l'argent est quand même très bien et vous aidera, euh, évidemment, le temps d'avoir tout le monde équipé en or. Donc, c'est pas grave si vous avez des champions qui ne sont pas en or. Euh, ou qui ne sont pas en argent parce que vous faites la transition bronze-argent. Mais dans tous les cas, ça vous servira en attendant pour équiper l'ensemble de vos champions. Et puis au fur et à mesure, vous tournerez de plus en plus vers l'or. Euh, vous avez aussi donc, notre ami Yon, que j'aime beaucoup. Résistance aux coups critiques, moins de dégâts, esquive. Bon le dégât pourcentage euh, à la fin n'a aucun intérêt pour elle, mais c'est tant pis. J'ai pas pris le temps pour Naomi, oui, donc voilà, résistance au coups critique, dégâts physiques, dégâts magiques, pareil, le critique, on s'en fiche un peu. Euh, et puis voilà. Après on a des champions de type Halloween, pareil pour le soin. Euh, J'aurais peut-être pu mettre Searcher en, en accumulation plutôt. Ou, voilà, ça se, ça se discute. Euh, mais finalement vous voyez, l'essentiel de mes champions sont en revitalisant. Et puis on va aller voir le dernier, fusion gracieuse. Alors là, on l'a vu, c'est pour augmenter la défense et restaurer les PV. Euh, c'est, je, je trouve que finalement c'est assez peu par rapport à ce que peut apporter le gain d'énergie pour justement prendre l'ascendant. Donc c'est ça que je suis un petit peu dubitatif sur cette, ce type de rune, euh, fusion gracieuse. Pour autant, bon bah voilà, auric, typiquement à choisir, je le basculerai plutôt sur du revitalisant. Euh, pareil, Phi. Alors Phi, le problème de Phi c'est qu'au début il fait peu de dégâts, donc il va surtout vous aider pour booster la, la vitesse de vos petits copains, mais au bout d'un moment il va faire des dégâts. Donc là pareil, il faudra que je revoie si je le passe plutôt en accumulation ou en revitalisant. Mais ce sera pas effusion gracieuse qui servira. Je l'ai pour l'instant mis comme ça pour éviter qu'il meure tout simplement trop vite. Euh, avec vous voyez un peu de sous-stats qui, qui lui permettent de faire quelques dégâts en attendant. Euh, Peut-être un champion qui a son intérêt dans tout ça, c'est des champions de type tank. Euh, on peut penser effectivement à Kathos que je vous ai montré tout à l'heure hein, qui est en revitalisant pour le moment mais aussi par exemple à Alden. Donc Alden, vous voyez en moins dégâts, résilience, esquive, cette euh, effusion gracieuse commence plutôt pas trop mal. Pour l'instant je préfère réserver mes potions pour d'autres euh, accumulations, euh, d'autres champions de type revitalisant et accumulation. Mais à choisir effectivement celle-ci, je pense pour l'augmenter. Là, l'objectif, c'est que, comme vous le savez, quand on a un tank, c'est qu'il tienne un maximum de temps. Donc, avec ça, il va gagner un peu de défense. Alors, c'est toutes les 3 secondes, 1% de défense, c'est quand même pas grand chose, il n'y a pas des énormes défenses. Et 1% PV max, bah, s'il prend des gros dégâts en tank, ça va être aussi assez peu. Donc, à la différence de l'énergie qui est quand même à 20 chaque seconde, je pense qu'il y a un déséquilibre. à mon avis, ils vont revoir la copie plus tard, euh, le jeu venant juste d'être lancé. Donc, je pense que là, Effusion Gracieuse ne les vendez pas trop vite. Elles seront forcément rééquilibrées par la suite. En attendant, ça peut se discuter pour certains champions de type tank. Vous voyez, comme un, par exemple un Recurse aussi qui, euh, qui est assez tank. Euh, bon, voilà. Là, par exemple, elle euh, signal à n'a pas du tout d'intérêt d'avoir cette euh, rune. Elle aurait plutôt tendance à partir justement sur une corne de revitalisant. Euh, donc, pour résumer, si on doit terminer sur cette notion de rune. Vous l'aurez compris, monter vos runes de type bronze et argent n'auront pas d'impact sur le futur de vos runes, bronze, runes or. Pardon. Euh, vous avez trois types de runes. On a vu accumulation plutôt orientée attaque, corne revitalisant pour l'énergie et effusion gracieuse pour gagner en défense en PV et, euh, et donc restaurer des PV max chaque seconde. Là, c'est la rune la moins intéressante des trois. La plus intéressante au global, c'est quand même revitalisant. Accumulation, c'est pour certains champions très spécifiques, il en faudra pas des milliards. Mais en gros, il faut effectivement miser sur revitalisant autant que possible. Et pourquoi pas, lors de euh, l'événement qu'on va aller voir juste derrière avant de clôturer, aller plutôt chercher ce type de runes. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les runes. Donc après, vous pouvez les décomposer par l'eau aussi. Euh, par exemple, de dire, tiens, toutes celles-ci... J'en veux plus. Hop, vous voyez, donc ça permet tout de suite de savoir combien je vais gagner de potions. Donc là, 5 potions blanches sur 17. Euh, vous pouvez décomposer en en choisissant une de spécifique, la renforcer en cliquant là et vous avez tout de suite le nombre de potions qui sont nécessaires. Bref, c'est un aspect du jeu important à prendre en compte. Et on va aller voir une dernière chose sur laquelle je n'ai pas la réponse aujourd'hui parce que mes champions ne sont pas assez up. C'est que là, vous voyez. On n'a pas encore de deuxième ouverture ici, ce qui voudra dire que probablement on aura la possibilité d'avoir derrière des runes supplémentaires. Et vous avez le petit i à côté de vos champion, qui vous permet aussi de savoir où vous en êtes. Là, je vois que j'ai 50% de coups critiques et 201% de dégâts critiques. Donc beaucoup de dégâts critiques. Coup critique, ça peut être amélioré au niveau où il est. Donc là, par exemple, si je peux choper une rune qui met deux critiques et un dégât critique à la place euh, en attaque, et ben, évidemment, je la mettrai sur Arès sans aucun doute. Euh, dernière chose que je voulais vous montrer avant de terminer, puisque l'événement est en cours, si vous découvrez cette vidéo, pendant 12 jours nous avons les G chanceux, et dans les G chanceux vous avez la possibilité de sélectionner les cadeaux que vous souhaitez. Alors moi j'ai pas forcément besoin de là pour le moment, ce que je vous recommanderais... Si vraiment vous avez besoin de, de up un champion spécifique rapidement parce que vous êtes bloqué en attendant, allez chercher les cartes de type argent, comme là ici moi je le fais pour, euh, pour les elfes. Si vous avez plutôt besoin de runes, misez justement sur celle-ci. Alors vous le voyez, vous n'en aurez que deux lors des dix premiers tours. Donc vous ne pourrez pas en avoir non plus des milliards. Mais pourquoi pas aller chercher ces runes-là, ces runes peut-être les runes accumulation aussi, et puis ensuite miser sur les runes de type argent. Et ça sera une fois au tour 10 que vous, vous pourrez sélectionner. Un champion spécifique donc là on voit on a euh, Rikers, on a Osiché, on a l'ami euh, Gilles et on a Derla. Bon à choisir Derla vous pouvez la voir aussi ailleurs dans le magasin d'épreuves, misez sur Osiché qui est une excellente championne vraiment très très forte et puis au tour 20 vous pouvez aussi aller chercher sur Ekatos en plus. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce guide sur les runes. Il n'y a pas des milliards d'autres choses à dire, vous l'aurez compris. Gardez vos runes revitalisant, hyper important. Faites attention aux statistiques pour les champions que vous mettez. Ensuite, sur les runes accumulation, c'est vraiment spécifique à des champions. Il faut chercher du crit et du dégâts crit, très euh, au max, avec de la résilience aussi si possible. Euh, et puis, fusion gracieuse, un petit peu moins bien. Euh, normalement, vous avez tous euh, les éléments en main pour savoir comment bien monter vos runes et à qui les équiper. Je vous dis à très bientôt pour un prochain guide. J'ai pas mal d'idées. Merci encore pour votre soutien. La chaîne grandit aussi grâce à vous, amis Magnumers. Vous êtes nombreux depuis le lancement à avoir rejoint la communauté El Pierrot Et j'en suis ravi. J'en suis ravi, pardon. N'hésitez pas donc à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et vous inquiétez pas. Plein d'autres guides à venir sur Magnum Quest. Ciao les Magnumers.